Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfang pour un nouvel épisode de Donjon de Nalbeuk. Alors, il y aura une petite pause sur les épisodes de Donjon de Nalbeuk parce qu'on va aller tester la démo du jeu après. Oui, quel plaisir. Il y a une démo. Il y a un truc, je vous mets dans la sauce tout de suite là. Là, vous voyez, vous avez même pas fini l'épisode, vous êtes déjà en train de regarder de quoi on parle. Moi, je vous dirai pas. C'est juste après cet épisode là. Alors juste après, hein, vraiment, je vais vous le poster. Et je vais vous poster, je pense, la démo soit dans la journée, soit sur la journée d'après. Vous l'aurez, vraiment, vous l'aurez tout de suite derrière. Nous sommes dans le temple de la grosse enclume. Ça alors, c'est un endroit légendaire. On dit que des trésors incommensurables y ont été accumulés par les pillages des nains du chaos. On dit aussi que les esprits torturés des rois des nains du chaos viennent ici à leur mort pour garder les lieux. Ça vit vieux, un roi des nains du chaos? Ben, on sait pas, c'est rare qu'il meure de vieillesse. Bien, cherchons l'enclume avec prudence. On va tout piller, et puis on mettra le feu. Je ressens une légère lassitude. Je vois ce que tu veux dire. Bon, précisément ce qu'elle veut dire. Ouais, j'avance comme si... Arrière, un truc qui venait de la surface. Misère! Sapristous! C'est quoi encore ce monstre? Je suis le gardien des runes. Je veille sur ce sanctuaire sacré. Ah, la tuile! C'est un esprit ancien de nos ancêtres. Sans doute un ancien forgeron nain aux immenses pouvoirs. Pas du tout. J'étais juste un vulgaire affûteur de pioche qui a été dit ici à cause d'un palais stupide. C'est ballot. Oui, je sais, c'est... Je ne dois pas sympathiser avec les intrus. Vous êtes prévenus. N'allez pas plus loin ou les conséquences seront funestes. Je me demande qu'était la teneur du pari. Arrière, un truc qui venait de la surface. D'accord. Bon. Ben, n'allons pas plus loin, allons par ici. Ce serait bien d'utiliser quand même un voleur dans un endroit qui devrait être full piégé. Et il n'y aura pas un piège. Ah, encore ces statues de mort là, hein. Oh. J'ai le mort en tongue. Bascule sur le rangé. Hop, 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 hop. Ok, une grille qu'on ouvre de l'autre côté. Pas de soucis. Pouette, pouette, pouette. L'ambiance. L'ambiance est totale. Pas un piège? Les gars, votre site sacré Intusalo Trésor, il n'y a pas un piège. Ces murs renferment la mémoire des civilisations oubliées et de la poussière moisie. La poussière moisie, c'est quand même chaud. Hein. Parce que le principe de la poussière, c'est qu'il n'y a déjà plus une goutte d'eau, quoi. Il n'y a tellement plus une goutte d'eau que c'est redevenu... carbone, quoi. Ouais. Alors, on se fait chier avec mon voleur. Hein. Alors, la geste du chaos. Et dans un dernier élan de courage, le héros se retourna et présenta son postérieur velu à ses ennemis. Les Trogilorques reculèrent un instant, terrifiés par cette vision cauchemardesque. Car quand on plonge son regard dans l'abysse, l'abysse regarde en retour. Quand tous les tréfonds du Rik en soient témoins, seuls ceux qui marchent dans ses pas seront considérés dignes d'accéder à la grosse enclume. Faut montrer son cul. Merde alors. Ça va ressembler à ça. Bon, c'est ouvert. Et figurez-vous que c'est ouvert aussi. C'est également ouvert. Bien. On repasse en voleur, hein, on sait jamais. C'est pas le moment de tout lâcher. Pas maintenant qu'on s'est fait chier qu'on va tout lâcher, quoi. Ok,
portes, des grilles, des statues de nains. Ok, donc c'est des nains qui doivent nous montrer leur cul. Montrez-moi vos derches. Voilà. Et voilà, je le savais. Rien n'est dû au hasard. Je suis bien d'accord. Bah monte ton cul hein. Quoi? Ah si je te fais tourner trois fois, ça fait tourner l'autre, c'est ça? Ok, à chaque fois que tu montes ton derche, l'autre il monte le sien. Ok, ça pas de soucis. Oh, ça se trouve que je peux tourner l'autre, hein. Je peux tourner l'autre, mais je vais pas le faire. Comme ça on sera fait un kiff jusqu'au bout. Chrome n'aime pas les énigmes, il préfère les mandales. Ouais. Et les Loriens. Parce que les Mandaloriens. J'adore l'humour, pas vous. Alors. Oh, laisse-moi deviner. Si je tourne les autres, ça fait tourner aussi. Ah, exact. J'en étais sûr. Et toi? Ok, ça marche. Alors, bon, tu m'excuseras pour l'occasion. On va changer de personnage. Un personnage intelligent. Un nain. Est-ce que le nain n'est pas l'équipier parfait pour ce donjon? D'accord, ça fait tourner tous les autres. Ça va. Ok, voilà. Formidable, formidable. Voilà. Tiens, on a trouvé la solution. Étrange. Exactement. Ça cache quelque chose. Ça me paraît presque un peu simple. Une porte. Alors ça, j'aimerais bien savoir ce que ça donne. Ça donne des vieilles bombes incendiaires, je suis dégoûté. Tirez sur le bon loquet. Oh, la bombe explosive de base, quoi. Non, t'es terrible. Ce que tu demandes est terrible. Tirez sur le bon loquet. Alors, juste voir s'il y a plus de pièges en avant, là. Il y a une série de leviers. Activons ce levier-là. Non, on peut pas. Ah, celui-là, on peut pas. Mais on peut les deux autres. Non, on peut que celui-là. Les autres, on peut pas? Alors celui-là, maintenant, je peux. Faut savoir, les gars. Un coup, je peux, un coup, je peux pas. C'est la hitbox qui est foireuse ou c'est le sens de la caméra qui est pas bon? Ok. Victoire de l'intelligence. En parlant de l'intelligence, hop. Moult statuas. Il ne s'est rien passé. Très bien. Intéressant. Alors, reprenons notre spécialiste des énigmes naines. Ok, excellent. Vraiment ce groupe qui est si fort quoi en énigme. Let's go. Il suffit de montrer des culs. Hein. C'est bon. Tirez sur le bon loquet. Tirez sur le bon loquet. Parfait. Maître Moller. Je supervise l'ouverture. Y'a que du légendaire. C'est quoi ça? Potion d'omniscience du grand trilobique. Après intelligence 8, après une ingestion, cette potion décuple les fonctions cognitives de son utilisateur pendant un court instant. Permettant des miracles, hein. C'est d'ailleurs ainsi que fut inventé le pâté en croûte. Ah ouais, j'avoue. Trop fort. Des sorties bottes des fervents. Deux de Protec, Endu, de Tac-Tac, c'est mieux que ce que j'ai, même si moi j'aime bien avoir beaucoup de dégâts. Je suis très très fan du fait d'avoir beaucoup de dégâts, et j'ai envie de lui mettre la potion du grand trilobique. Mais objectivement, je pense que je m'en servirai jamais. Inutile.
Un arc 33-45 qui colle des sacrés gifles. On va mettre ça directement. C'est le foudroir là-dedans. Donc à 33-45, clairement c'est mieux. Plus de précision au passage. Chance de crit réduite. Dégâts critiques, ok. Et tir en vigilant, j'en gagne encore un. Non, c'est pas mal. Hein. De Viagle Gras. De Viagra. Y'a quoi là-dedans? Ah, et toi, c'est mon quoi sac. Ouais, je vais peut-être plutôt lui mettre à lui, ça lui fera gagner de la précision. Ouais, non, peut-être pas. Il y a plus de chances que lui s'en serve. Allez, vas-y, je t'équipe. Au moins, avec ça, j'aurais pas l'air d'un gland. Non, c'est clair. Ça me t'aura même plutôt l'air d'un génie. Pourquoi les gens, ils mettent des mains dans mes poches? Ah non, il y pas mes poches. Comme je donne c'était rien pour le nain après. À c'était personne. Le casque. Le casque, le Bohome, bien sûr. 5 de protection, 2 de charisme, 1 de courage, mais ce nain, quoi. Pas mal. J'ai peur d'en avoir un autre. Il est 6 métal. Il est parfait. Vous le savez en plus. Ne doutez pas, vous le savez. Vous savez que le nain est parfait. Pour se mettre plutôt comme ça. Ça s'était activé, ouais. Ça s'était activé tout seul comme levier. Nous rentrons dans cette zone. Araignée. Arrière, un truc qui venait de la surface. Encore lui. Pardon, mais on a déjà eu cet épisode. Juste avant de se fader les araignées. Ah, désolé. Il est rare que les intrus arrivent jusque-là. Faut dire que c'est ça le bestiole. Du coup, vous avez autre chose à nous dire? Attendez, je regarde ce que j'ai comme texte ensuite. Non mais c'est quoi cet amateur? Ça fait pas très sérieux. Voilà. Les trésors des nains du chaos sont protégés par un incommensurable pouvoir. Des myriades de dieux les surveillent et les sentinelles sont vigilantes. On dirait un genre d'énigme en forme de mise en garde. Ou de mise en garde en forme d'énigme. Et ça veut dire quoi, sinon? Oh, pour les détails, je sais pas. Je suis juste maudit pour garder l'endroit où j'ai pas de pouvoir de décision. Quelle baltringue! Oui, il est un peu ridicule. Hé, hey, t'insultes pas le fantôme d'un gardien des runes, bouffeuse de pissenlit. Mais c'est toi qui disais que... C'est pas pareil. Chez nous, c'est culturel. Ouais, fait de l'appropriation culturelle, elle devrait avoir honte. Ça veut dire que j'ai loupé un combat avec des araignées? Attendez, je vais chercher la bagarre. Parce que moi, si j'ai raté de l'XP, vous savez, ça me perturbe. Maintenant qu'on a le loot, franchement, on peut aller peut-être se taffer une petite bagarre quand même, ça. Baston réglementaire, quoi. Du coup, le gars, il est plus là. Je devrais pas me balader comme ça. Voilà, je devrais me balader comme ça. Mais c'est bizarre, je pense qu'il y a une petite erreur de texte. Je peux voir un coffre à travers les murs. C'est la dernière fois que je fais le plan. M'étonne, ça doit être chiant de tourner en rond et faire des plans. Les plans, tu tournes en rond. Faut savoir que vraiment, quand tu fais du JDR, c'est vraiment le pire des plans parce que t'es en train de faire des murs qui tournent sur des murs et qu'en fait ça rentre dans tes murs, c'est chiant. Oula oula. Oula 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 oula. Oula 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 oula. Je crois que nous avons déclenché quelque chose d'épisodiquement important. Des arachnides. Comme s'il en pleuvait des tonnes. Ce qui m'intéresserait, ça serait plutôt de vous avoir dans le mid, les gars. Hop là. Je vais même bouger mon barbare, je vais mettre mon nain à la place. Non mais, viens ici. Je vais mettre le dwarf ici. Toi par là. Alors, compact. Oh, la solution compacte. Alors attends. Il
Oh putain, ils m'ont voleur vraiment solo cul. Hein. Je sais plus s'il a un bonus d'être à côté de quelqu'un ou pas. Je crois que oui, mais c'est à côté du ranger. Ouais, c'est ça. Parce que... Gloire à moi. Oh putain, ils sont en train de prendre une rouste. Ok. Regardez cet archer incroyable. Cet archer de toutes les légendes. Échec critique. Espèce de naze. Voilà. Il en fallait un. Fallait que ça arrive. Là, je peux pas de l'avoir là où je suis. Ça va partir sur une boule de feu. Hein. Ah non. J'ai la distance de rien du tout. Hazardo Kitina. Voilà, bon, alors, je m'en sers pas souvent. Hein. J'espère que vous aurez apprécié. Tu viens taper un ogre. Pas sûr du choix. Hein. Oh, des renforts. Oh, ça sprint bien comme bestiole. Paf, dégage. T'as pas bougé comme truc? La meilleure blague. Les araignées, ça court vite. Hein? Oh, le mec, il vesquit tout. Oh, alors là, cadeau. Hein. Grenade! Grenade qui faut presque rien, malheureusement. Bon, je vais aller cacher mon voleur. Hein. Ouais, 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 tu peux pousser ce truc là, vas-y, viens voir ça. Hey, attends un peu toi. Ok, bon, tireuse. Deux tireuses, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Donc celle-là tire aussi, celle-là aussi, ok, ça marche. J'ai l'élément visuel. Oh, il y en a un paquet des saloperies là. Plus d'effet de poison, problème réglé. Tac. Allez, vas-y. Régale-nous. Bon. Elle a bien touché même. Elle a pas fait semblant. Quelqu'un soigné d'un peu blessé. Ouais, on peut tout de suite. Ouais, non. En vrai, ça peut attendre. Toi, ouais, tu vas quand même m'ignorer ce connard, j'en ai rien à curer. Pas mal. Ça, tu prends du dégât aussi, voilà. Et, non pas un baston, un barrage d'acier. Genre l'autre, elle a esquivé. Ah, mais pas mal. Oh, il esquivait. LOL. Tac. Oh, échec critique, bien sûr.
Misère ! Raté ! Mon dieu, nous avons tout raté. Secousse des bourrins, vas-y. Merci gros. C'est un peu énervé comme choix. Est-ce que tu peux m'envoyer ce truc balader un peu plus loin ? Bien dans sa face même, j'ai envie de te dire. On va se reprendre un tour de cracheuse. Ouais, bah oui, évidemment. Scotcher. Bah ça va là. Non mais tranquille. Moi qui étais parti pour me dire mince, c'est un petit combat tranquille. Ouais ouais, petit combat tranquille. Bah le premier coup non. Ainsi doit être étourdi. Oui oui bah étourdis-moi ça. Hein. Yop là. Alors, est-ce qu'on se buterait pas à une saloperie? Ah celle-là, on lui fait quand même bien ce qu'il faut. Hein. Celle-là. On l'a pas eu. Dommage. Un coup terrifiant, un coup de savate. Ça la tue quand même. Non mais bon, juste à base là quoi, ça fera l'affaire. Hein. Ça, mauviette. Voilà. Ah, même pas mal. Exactement, même pas mal. Coup de base. Ah, il y a un petit tourbillon d'oiseau qui va se perdre là, hein, je crois. Oh là oui. Oh la taille de ce tourbillon. Ne mets pas fin à ma furtivité. Excellent. Je ne suis pas là. Comment ça, si je me mets là, je suis vu? Ben mets-toi là, comme ça personne te verra jamais. Et je voudrais que tu m'immobilises un gars, quel qu'il soit. Ah, sale bestiole! Genre lui là. Ouais, mon troll il est bloqué. Mais tu peux peut-être lui mettre une gifle, histoire de le terminer tranquillement. Ah oui, en plus ça me rend des points de vie, c'est vrai que maintenant il a le truc du barbare. J'avais oublié ce détail. Oh, ça va bien se passer, t'inquiète pas. Dis-moi que tu peux en mettre ton tourbillon. Eh vas-y, je peux pas le mettre en entier sur leur tête. Oh.
Non, ça c'est pas du tout intact, ça c'est non plus. Attention à leur venin! Je suis d'accord, termine-moi ça. Tac. Et tac. J'ai une elfe qui peut soigner, qui va me soigner le très gros là. J'ai lui qui va m'achever ce truc là. Ah, quoique c'est pas dit. Ça c'est pas dit non plus. Ça c'est sûr ça. Ça. Ça là. Voilà. Et subitement plus de problème. Dans tes rêves. Aïe. Tu peux bouger le nain. Oh, le nain peut bouger. Waouh, incroyable. Du coup, tu peux faire un tourbillon. Ah oui, mais ça va faire un tourbillon à côté. Attends, t'as un tourbillon de jambes de fer qui fait combien? 2, 3 cases. 1, 2, 3 cases, c'est ça. Donc, si tu viens là, 1, 2, 3, tu t'arrêtes devant lui, tu le touches pas. C'est un peu dommage quand même. Bah écoutez, on va se mettre là. Hein. On va aller chercher midi à 14h. Et il y en aura pour tout le monde. On peut cher le ranger. Même pas mal. Je crois que je peux me placer là. Tac, 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 tac. Et lui faire... Alors ça, c'est l'achèvement, ça. D'accord, hein, qui fait gagner un point d'action au voleur. C'est pas ce que je veux. C'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Voilà. Ah ouais, où je bouge, je me fais attaquer. Ok. Ah, c'est ça qui est chiant, c'est que j'attaque tous mes potes avec. Dégage. Du soin. Oui. Là, on pense à galère. Hein. Tu feras moins la maline avec 5 ou 6 pattes en moins. Surtout avec 6 pattes en moins. Ok. Je sais pas, il faut que j'en bute une. Bute-moi celle-là. Excellent. Celle-ci, elle est intacte en plus. Allons la voir. Et on va lui mettre le coup du beau gosse là, dans l'espoir. Le premier coup est pour moi. Tac. Formidable. Salut, je suis le ranger de Loubet. Le coup terrifiant là-dedans, je suis pas sûr. Hein. Juste le giflet de base, hein, je pense. Ah! Est-ce que si je le pousse, mon troll, il le tape? C'est rigolo, ça. Ouais, c'est bien. Trop beau gosse. Trop beau gosse, les gars.
Alors. Sursaut d'adrénaline sur toi. Alors, c'est le moment de faire des actions très épiques. D'aller dans le dos de cette créature en esquivant son attaque d'opportunité. Merci gros, t'as fait ça super bien. Et de lui... c'est quoi ça? Ah oui, le bon d'assaut, mais putain, c'est ça que je cherchais depuis tout à l'heure. Il n'y en a pas un qui avait une compétence pour sauter au milieu du bazar, ça si. Ok, elle a résisté à la peur. Je peux pas la charger. Pourquoi je peux pas la charger? Oh, ça me débecte. Oui, si tu veux, vas-y, hein. vas-y, provoque-moi au clan si tu veux. Genre, esquive. Je déteste les araignées. Ouf. Tu le touches là? Vas-y. Vas-y, elle m'a provoqué assez longtemps. Si de préférence, elle ne pouvait pas jouer, ça m'arrangerait énormément. Flémon. A bien cramé. Elle a bien... A pas fait semblant. Ah oui, je peux soigner personne, putain. Allez, vas-y, soigne-la quand même. Serre les dents. Salut, ça la remettra full PV. Assaut. Vas-y, assaut. Hein. Oh, mon voleur, il a tellement pas assez d'endus. Il consomme tellement d'endus maintenant. Il avait rien comme attaque spéciale maintenant. Il en a plein. Et mon gros. Si je me mets, je pourrais jamais l'atteindre. Hein, donc. Song. Salut. Salut. Ouais. Alors je vais juste tester au cas où si je me mets là. Je te balance un tourbillon de Warza. Je ne toucherai que mes potes. Ok. Fort bien. Allez, ça part. C'est ce qu'il fait. Oui, vas-y, avance. Le poison, l'arme des lâches. C'est une mise en abîme. Soigner un abo. Ok. Hein? Mais pourquoi tu viens de placer là? Pour être placé dans son dos. Bon, viens de placer ici. T'as une baston disponible. Allez, ça finit sur une bastonnade réglementaire. C'est une victoire. Non. C'est un petit peu trop énervé. Oui. Les popos. Alors on a les grandes maxi best-of trop bien.
Oui. Ça me rappelle les cours de potion avec cet horrible professeur aux cheveux gras. Oh, l'ogre a soigné. Eh ben, c'est pas bon. On dirait la soupe de ma grand-mère. Et il en reste une. Allez, pour le nain, c'est la cadeau. La bière, c'est meilleur. Ils avaient rien. Chance incarnée, le ranger a gagné la chance incarnée, incroyable. 31 000 bouliches, hein, on s'est mis bien. Hein. Je crois qu'il n'y a plus que du loot là, on s'emmerde pour rien. Et c'est là qu'on va se prendre un gros piège. Allez dans le coin. Avec un peu de chance, il y a quelque chose de magique là-dedans. Voleur et ogre. Très bien. Allons voir ça. Alors, se faire les poches à soi-même, c'est la mise en abîme du voleur. Moins de protection, plus d'adresse. Ouais, bof. Bof, même si 2 points d'adresse, c'est quand même sexy. On va pas se mentir. Ouais, il est pas à plaindre. Protection 2. Force 2. Résistance physique 5. Brassard de gourmet du chef Dechebe. Est parfait, cet objet est parfait. Youpi, avec des morceaux de casserole, des couvercles de casserole, j'avais capot en tête. Attends, les gars, il fatigue. Hein. Une énigme naine. Voilà, j'ai activé 2 flammes. C'était une énigme naine. Et on revient là où on était. Non, ça sera pour faire demi-tour. Ok. Ok. Donc là, rebasson avec des araignées. T'as toujours vous rien à ajouter. N'allez pas plus loin ou les conséquences seront funestes. Bon, d'accord. Il a rien de plus à ajouter. Il n'y a pas de statue nain ici. Non, il n'y a rien. Ok. Parfait. Je pense que c'est déjà bien. Hein. Je pas regardé. Je regarde pas le temps. Hein, mais oui, on a notre petite demi-heure d'épisode. On est très bien. C'était Knarfanxur comme d'habitude Gaming pour le donjon Nullbuck. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.